conseil que je peux vous donner, quand vous allez dans les pays chauds, évidemment il faut boire beaucoup parce que vous perdez en eau, surtout les organismes de nous Européens. On a tendance à beaucoup transpirer et donc perdre beaucoup d'eau. Et donc faites attention à ça. Mais un conseil vraiment pratique, c'est évidemment buvez de l'eau, mais pas que de l'eau. Parce que quand vous buvez beaucoup d'eau, votre organisme en fait, il ne fait que filtrer. Il fait passer votre eau par l'organisme et vous la transpirez directement. Les reins, ils pompent. Et du coup, ils se fatiguent très vite. Donc, évitez de boire que de l'eau. Achetez de temps en temps un jus, un petit soda ou quoi que ce soit. Ou même, si vous n'avez pas ça, mettez un peu de sucre dans l'eau. Ça permet juste au fait que s'il y a un peu de sucre ou quoi que ce soit d'autre dans ce que vous buvez, vos reins, ils ne le filtrent plus. Votre organisme, en fait, il reçoit une information comme quoi il y a quelque chose à digérer. Enfin, ce que vous buvez reste plus longtemps dans votre organisme et c'est comme ça que vous le réapprévisionnez en eau pour plus longtemps. C'est pour ça que moi, maintenant, la petite pause au jus d'orange. Je commence à avoir l'habitude que les gens me regardent comme si j'étais con, mais bon, avec mon selfie stick, faut s'y faire, quoi. Voilà. Surtout dans les endroits touristiques comme ici, j'ai l'air d'un con parce que je suis assis en plein milieu de la place. Et les gens me regardent parler à la caméra. Vous, ça vous semble normal maintenant qu'on vous le regarde, mais là je suis tout seul en train de parler à la caméra. Avec le dromadaire et après j'y vais. Voilà, comme ça. Inch'Allah. À la prochaine. Inch'Allah. Shukran. Et voilà, il est temps de partir. On quitte Merzouga. Je me dirige vers la sortie pour revenir à Rachidia. Et on reprend la route. On peut dire que la mission est accomplie, hein. On a été dans le désert, on a monté un chameau. Il reste plus qu'à revenir en Europe maintenant. Allez, yalla! Peut-être l'air d'un con comme ça, mais croyez-moi, avec la chaleur qu'il fait, même s'il n'y a pas trop de soleil, il y a un petit coup de vent et ça rafraîchit, alors que si j'enlève le t-shirt de ma tête, ça tape vraiment fort, quoi. Les oreilles commencent à chauffer. Et les lunettes, évidemment, là, j'en peux plus avec le full de soleil partout autour, c'est...
tout est clair, j'ai trop mal à la tête quoi. Du coup, vous verriez, c'est drôle à voir. Voilà, mon séjour à Archidia se termine. On est à la sortie direction Warz. Ça y est, je parcours de bon. Direction Warz maintenant et le plus vite possible arriver à Agadir puisque j'ai quelqu'un qui m'attend là-bas aussi pendant encore une semaine. Donc j'espère arriver le plus vite possible. C'est 600 km donc si on a de la chance, c'est une journée, deux journées. Si on n'a pas de chance, c'est plus que deux journées. Du coup voilà, c'est reparti, on est de nouveau sur la route. Allez, c'est parti. Eh ben voilà, on est déjà quelques kilomètres plus loin. J'ai un monsieur très sympa, un Marocain de France, qui m'a conduit jusqu'ici. Alors c'est drôle hein, d'avoir une personne ici qui parle avec l'accent, non pas marocain, mais français. Je sais plus la région où il habitait, il m'avait dit, mais on entendait bien vraiment la différence, l'accent français quoi, que celui qu'on a en Belgique. Il m'a même invité à manger, tout ça, mais à son village. Ok, il allait, et je lui ai dit que c'était très sympa, mais il faut que je continue la route aujourd'hui. Bon, je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai rien mangé. Ce matin, j'ai mangé un tout petit truc. Du coup, je me suis arrêté sur la route pour acheter un melon. Il fait plus de 10 kg et je l'ai payé 9 dirhams, donc l'équivalent de 9 cents. C'est bien, j'ai bien mangé à Rachida, donc il ne me faut pas un plat hyper sélectionné. Et avec ça, j'aurai mes réserves en sucre et le ventre plein pour la suite de la route. Bon, pour le moment, on avance, mais c'est quand même assez loin, Agadir. Je crois que je suis à moins de 200 km de Warzazat. Du coup, si on dépasse Warzazat aujourd'hui, ce sera déjà super. Après, apparemment, c'est une route où il n'y a que des petits villages jusqu'à Agadir. Donc, à mon avis, ce sera pour demain. Allez, moi je vais manger. Bon app'. Aujourd'hui, j'ai chopé un stop de la dernière ville où j'étais jusqu'à Warzazat, donc une ville qui est assez grande. Il y a un aéroport, c'est assez touristique. Enfin bref, c'est une grande ville et je suis arrivé quand même assez tard puisqu'il faisait déjà noir. Du coup, je me suis dit par question de sécurité, je prends l'hostel. Déjà qu'il faisait nuit, donc c'était assez chaud pour trouver un endroit pour dormir. Je préfère prendre une sécurité, surtout que j'ai pris vraiment beaucoup de matériel pour filmer. Il y a même mon ordi, comme vous voyez là-bas. Et ouais, j'ai pris même un ordi parce que vous imaginez pas, mais la place que ces vidéos prennent, c'est un truc de fou. Sinon voilà, enfin j'ai payé comme d'habitude, hein, j'ai cherché le moins cher. Comme vous voyez, c'est une chambre assez simple pour deux personnes, mais je suis tout seul.
J'ai payé le prix d'une personne de toute façon. Ça m'est revenu à 100 dirhams. Du coup, 10 euros. La douche et les chiottes sont dans le couloir. Mais bon, voilà, c'est comme d'habitude. Hein, on cherche le moins cher, donc on s'en fout. De toute façon, demain matin, on reprend la route le plus tôt possible. Et demain, il me reste moins de 400 km pour rejoindre Agadir. Donc, on descend encore un peu dans le sud. Il me semble qu'on va encore descendre quelques degrés dans le sud, mais surtout on va aller vers l'ouest pour rejoindre la côte. Ah ouais, et comme quoi, au Maroc, il suffit de faire quelques dizaines de kilomètres pour que le climat change complètement. Parce que ici, à Ouarzazate, déjà la température, elle a baissé. Mais en plus, il pleut. Donc, raison de plus pourquoi je voulais pas rester dehors. Et même si c'est pas une énorme pluie, dehors il pleut. Donc, raison de plus pour rester à l'hostel. Et puis voilà. Donc comme j'ai dit, demain on reprend la route et moi je vais faire dodo. Allez, ciao!